Bonjour à tous, ici Ska Galaxa, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Paper Mario. Attendez. Là, il n'y avait pas un... Ah oui, ici. Alors... Hop. Ah oui. Faut qu'il creuse. Voilà. Il y a quoi? Ah. Ok. Hop, hop. Ah non, mais il faut qu'il reste. Description de cochard à quelque chose. Oh là là, je suis vraiment de la merde. Voilà un message pour le moins complexe. La grammaire est archaïque, même pour des inscriptions anciennes, et l'auteur a pris de grandes libertés avec la ponctuation. La traduction risque de prendre un moment, j'en ai peur. Ça vous dérangerait de faire un peu moins de bruit pendant que je traduis? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Wow, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais bien pensé quelques heures de plus sur la ponctuation à votre temps de cette inscription. Mais soit l'aventure vous appelle en avant. Ah oui, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Oh là là, même un temple ancien, il fait quand même plus son enchant par ici. Mon esprit scientifique m'interdit bien sûr de croire au fantôme, mais j'ai quand même un sentiment d'inquiétude irrationnelle. Arrière, esprit du mal. Mais c'est ton nom. Ah, c'est noter mon nom, mais pire. Je crois que je suis sur les nerfs. Oh, vous avez vu ça? Assurément, ce n'était qu'une onde bizarre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout va bien, Mario, c'était qu'une attaque de fantôme, oui, une malédiction du roi. Ah, mais j'oubliais que la science est une unanime sur la question. Il a établi que les malédictions, c'est du grand n'importe quoi. C'était quoi, rien du tout, non? Il faut que je sorte ici, je dois publier mon rapport de recherche. Ok.
Allez, venez ici. Oh, oh, regarde-moi tous ces trous. C'est pas le moment de faire du faux pas, là. Ah, merci d'avoir géré la situation. J'aurais bien voulu vous aider, mais c'est pas facile de se lancer quand on apporte son nom. Ça c'est fait. Beurre, des araignées par dizaines, qu'est-ce qu'ils fabriquent à votre avis? Oh, je crois voir des pieds d'un tas au milieu de cette salade de pâtes. Oh là là, mon pauvre, est-ce que tout va bien? Son visage, qu'est-ce qu'il y a à son visage? Il s'est fait mordre. Tu as quelque chose sur le visage, petit Old? Son visage. Ah, il a perdu la face. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur! Sans son visage, il a disparu pour protéger. J'espère que ça ne va pas lui faire de mal. Oh, je crois qu'il essaye de nous communiquer avec nous. Todd, tu nous entends, hein? Oui. Tu as encore tes oreilles dans ta tête, chapeau. Vas-y, pense à nous t'écoutant. Mais trop bien. Ah, il n'y a plus de bouche. Il ne peut pas parler. Mais qui peut être bien assez cruel pour faire des choses pareilles? Ah, un tas de sans défense. Ah oui, attends. Justement, il y a un code. Code 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2.
statue de sanctuaire des plaines. Sa tête. Namoradou. Oh, tu as trouvé une sorte de disque brillant comme une bien jolie. Openness. Quoi? Hey, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma foi, je ne suis pas arachnologue. Mais il semble qu'il s'agisse d'une toile d'araignée aux proportions parfaitement horrifiantes. Pour votre quête, ce sont épouvantes. Décemment, ce n'est vraiment pas leur jour. Nous ne pouvons rien faire pour eux d'ici, malheureusement. Peut-être qu'on aura, qu'on pourra leur donner un coup de main d'en bas. Disque. Vibration profonde. Ok. 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 Une étoile illumine la voie.
C'est bon. On a juste trouvé un checkpoint. Bon, oui, correct. Un instant. Fouille obligatoire. Ah, oh, finesse. Ok. Moi, ça va aller vite. Peut-être pas. Ah oui. Hein? Non. On n'a pas. Voilà. Ok. Si on peut même plus fouler le champ sans se prendre un coup de botte de fer. Ah. Ah, il y a une sauvegarde là. Oh, mais c'est sympa ici. Je ne sais pas ce qui m'arrive, voilà que je me dandine sans faire exprès. Je n'ai pas les mots de ma vie, je n'aurais jamais imaginé assister à un tel spectacle. Et cette gemme au plafond que peut-elle porter si je sais avancer sur une hypothèse, je dirais qu'elle appartenait à... Regardez, professeur, sa porte est là. Il continue derrière la porte, vous avez vu? Hey, DJ! C'est ça que t'appelles du bon son? Je sens pas la gouve, mon pote. Déçois-moi encore une fois et je te garantis que tu vas te retrouver avec une tête de 33 trous. Et pour pas le prendre comme ça, attends, je vais te passer autre chose, juste une petite minute. Mario, faut que tu m'aides. Ce mec bizarre exige que je lui passe quelque chose de groovy, mais il n'a rien de ce que je lui propose. Fais quelque chose, sinon je peux dire adieu à mon visage ou non. Oh non, son visage ne pourra plus porter tes lunettes. Et pourquoi il n'aime pas ce que tu lui passes? Bon, je trouve qu'il est très bien ta musique. J'en sais rien, moi, j'arrive pas à cerner ses goûts. Je sais juste qu'ils sont très spécifiques. Il n'aime rien de ce que je lui passe et il reste enfermé dans sa pièce de côté. Si vous voulez m'aider, je crois que j'ai perdu des 10 sur le chemin jusqu'ici. Avec un peu de chance, il y en aurait au moins un dans le tas qui lui plairait enfin. Ramenez-le moi pendant que j'essaie de gagner du temps. Tu sais, je parie que celui qui malmêle ses idées est aussi celui qui a privé l'état de leur usage. Il faut qu'on en fasse sortir de sa cachette et qu'on l'oblige à le rendre. Mais pour ça, il va falloir trouver ce qui se considère que vous... Allez. Bon, ça fait quasiment 20 minutes, c'est pas grave. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, je vous fais des gros bisous.